Et voilà. Ça ne sera pas la plus belle qualité d'écorce parce que j'ai pas voulu abattre un arbre en santé. Mais pour les besoins de la cause, ça devrait faire. Et voilà. Sur le camping, on n'est jamais tout seul pour travailler.
peinture avec une racine d'épinette. D'écorce, toujours pratique. Voilà le carquois terminé. J'ai posé une bordure d'épinette en bas, un peu comme j'ai fait pour le haut. Un fond double en écorce. On voit la couture ici. J'ai fait une couture par l'extérieur, parce que c'est pas évident par l'intérieur. Une fois le bras à l'intérieur, là, on n'a pas vraiment accès. Ça peut toujours se faire là, par tâtonnement. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Il ne reste plus rien qu'à tresser une corde qu'on peut faire avec l'intérieur de l'écorce de peuplier. Fait une il y a quelques mois. Conserve sa souplesse.